Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce barouf? C'est sur Marie Bernadette, elle a ramené des sans-papiers. Ils sont en train de s'installer dans la travée centrale. Ça serait bien que vous venez vite. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais qu'ils aillent ailleurs. Mais pourquoi ils s'occupent pas d'une mosquée? C'est vrai, quoi. Ils sont tous des musulmans. Non, peut-être parce qu'il n'y a pas de mosquée ici. Enfin, faut être réaliste. Occuper une église, ça a quand même plus d'impact que d'occuper une obscure salle de prière dont tout le monde ignore l'existence. Eh ben, en attendant, moi, je suis dans la merde. Parce que juridiquement, s'il arrive quoi que ce soit, le responsable, c'est l'affectataire de l'église. Et l'affectataire de l'église, c'est moi. Alors si un gamin se coupe le doigt ou s'il fout le feu aux chaises en cuisinant leur tambouille, eh ben c'est moi qui trinque. Ça serait jamais arrivé à Sainte-Jeanne-d'Arc. Bienvenue dans le quartier. Et sachez quand même qu'il distribue des tracts, avec tout ce qu'a pu dire le pape sur laquelle les étrangers. Ah oui, le pape, il est bien gentil. Tout ça, c'est bien beau, mais j'aimerais bien le voir s'ils occupaient la chapelle Sixtine. En attendant, c'est la vôtre qu'ils occupent. Alors, faudrait peut-être aller leur dire quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je les connais pas, moi. Mais si, il y a Rose, vous savez, celle qui vient à la messe de 8h le jeudi, qui garde les petits du chemin. Oh, elle est sans papier, elle? Oui. Et puis, il y a Suleiman aussi, celui qui a proposé de repeindre le portail. Ah non, lui, il est pas sans papier, il travaille dans la pizzeria d'à côté. Ah bon, ça m'empêche. Et puis, il vient de recevoir un arrêté de reconduite à la frontière. Bon, ben, je vais leur parler. Ça serait jamais arrivé à Sainte-Jeanne d'Arc.